impressionnant. On va prendre une pierre juste au cas où. Mais vraiment, vraiment, on l'utilisera vraiment si on en a besoin, quoi. J'ai rien fait. Si on est sûr. Pardon. Je reviendrai plus tard. Si on est sûr de finir le combat, parce qu'apparemment on la perd. Merci en tout cas. Symbole. Ok. On peut faire tourner. D'accord. Ok. Fais attention avec ça. Je suis en train de le réparer. Ah là par contre. Saleté de rouage. Pourquoi tu fonctionnes pas? Par contre on l'entend gueuler là le nain du coup. Je vois pas de... Ah, ok. Je vois pas de choses à geler, c'est bizarre. Ah, là? Non, c'est pas celui-là. Ouais. Appelait ça les ronces de L. Impossible à brûler ou à couper. Possible à brûler ou à couper. Intéressant. Il va nous falloir quelque chose. On va voir de ce côté. Et après on va au centre. S'il y a rien. Y aller. B à l'envers et on va appeler ça P. B et P, ok. Ok, ça c'est le B, il est à l'envers. Ouais, c'est bon. Allez, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Ah, la rage. Vous avez collecté que 3 cornes d'hydromel sanglant. C'est chaud. Sympa le gosse. Par contre, maintenant on a 2 barres. Ouais, on le voit. On a 2 barres, on est une petite. Je pense qu'on peut. Ouais, je pense qu'en fait il faut toujours le même nombre de rage pour pouvoir se mettre en mode rage. Et le reste en fait c'est du bonus. Ça dure plus longtemps du coup. C'est bien.
Prochain coffre, il nous faudrait une pomme. Parce qu'on en a 2 sur 3, comme ça, ça m'augmente ma vie, ça serait vraiment cool. J'arrive pas à voir. Est-ce qu'on se rapproche de la montagne? Oui. Ah non, merde. Une sorcière. Là. Qui va nous arrêter. Protection avant-bras. Attends, c'est quoi? Là, on a ça. Ah oui. Ouais, c'est de la putain. C'est horrible, quoi. C'est horrible. On trouve vraiment de la merde maintenant. Vu qu'on a fait plein de quêtes secondaires et qu'on a trouvé des très très bons équipements, bah, du coup. Elle était presque morte. Elle était presque en stun. Ah, merci. Faudrait que... Ça en bloc, c'est pratique. Sa poudre de pestilence laisse des résidus nocifs dans l'air. Si perd au travers, sera empoisonné sur les... Oh la vie, j'ai plus rien déjà. En plus, on l'avait fait... Merde, on l'avait fait à main nue, donc elle était presque sonnée et on aurait pu la finir. Mais bon, j'ai pas eu le temps d'augmenter la barre au maximum. Alors, grotte. Où ça? C'est quoi ça déjà? Elle est fermée par un sceau magique. Par un sceau magique.
Tu penses que... tu pourrais me laisser la porter sur la fin? Je t'ai déjà dit non. Pourquoi? Je tenais plus à elle que toi, de toute façon. Quoi? C'est juste que... je passais plus de temps avec elle. T'étais souvent à la chasse. Tu ferais mieux de te taire, maintenant. J'essaye de faire péter le truc. Les loups sont malades, ils empoisonnent. Loups venimeux, il y a des loups agressifs, mais ceux-là sont d'un autre niveau, un autre genre de mal. Ils crachent des sortes de poisons dans lesquels pour éviter de marcher, encore plus hargneux que les loups enragés. Bon, le coup de tonnerre là. Il arrive très souvent, on a bien fait de changer pour ça parce que... il sort très souvent. Protection de torse. Par où on passe là? Je dois bien que ce soit des ressources pour augmenter augmenter notre gant là, les gantelets. Charge de l'ours blanc. Non, j'aime pas. Ah merde, c'est pas un boss, tu l'as tué déjà. Père, regarde. Parlez trop vite. Oh la va. Non, il s'est relevé. Tiens-toi prêt. Ah la vache, on va. Ok, il fait des dégâts sur les ennemis. Yes, très bien. Il est juste derrière moi. Regarde derrière. Oh, merde. Oh,
vache. Je peux rien faire. Merde, t'es en train de mourir. Sans deck. Waouh, ok. Énorme. Il a pris le cadavre, il l'a envoyé, enfin il a pris le mec, il me l'a envoyé dessus. Ah, énorme. Invincible. Par contre maintenant on doit être entouré de mecs, c'est bien. Oh la vache. Ok, roulade en arrière, pas sur le côté. Oh la vache. Il le tape, il l'envoie mais super vite. Ouais, roulade en arrière. C'est... Il y a de la vie à récupérer. Oh oh, bien joué. Ah, énorme. On y est presque. Il régène ou quoi? Ça c'est pute ça. Ah là. Ah toi tu fais chier. Ouais. Non. Oh putain, j'ai eu peur. Vas-y, va sur le gosse. Va sur le gamin. Ah, ce combat était cool. Ce combat était vachement cool. Un ogre? Ici? Qui a construit cet endroit? C'est tellement extraordinaire en faire, attends. Oui, mais attends, je veux d'abord lire l'ogre. Oh, merde. Éveil du Léviathan.
Codex. Grand, puissant, furieux, malheureusement, pas très intelligent. Okay. C'est grand mal qu'on fait. Ouais, il y a vraiment son coup là. Il y a deux coups qui sont ultra durs avec lui. C'est le slam là sur le sol. C'est mais ça a une portée d'enfoiré, franchement. C'est abusé la portée. Même un peu trop. Parce que des fois il m'a touché alors que bon, j'étais quand même très loin. Et après, il y a le lancer de mec. Le lancer de mec, c'est ultra rapide. Mais alors, c'est ultra rapide. Il le lance à une vitesse, c'est quasiment impossible d'esquiver. S'il se loupe pas, en fait. Mais ça va, c'était fun. Base de la montagne. Je comprends pourquoi maman voulait qu'on l'amène ici. En effet. Je pense qu'on va devoir brûler toutes ses racines. Je crois que Sindri sait que son monde sommet est pris dans les racines ici. J'en doute. Comment il va le réparer ? Ce n'est pas mon problème. Ouais, il va falloir trouver quelque chose pour brûler les racines. Sûrement au sommet de la montagne. Parce qu'après, j'ai pas joué au Kratos. Oh non, au God of War, mais je crois que c'est plus ou moins comme Devil May Cry en fait. On débloque des armes, etc. Donc les armes ont des habilités. Pour qu'on continue notre progression. De la fumée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne t'approche pas. Mais il est con lui ou quoi? Qu'est-ce que c'est? On doit trouver un autre chemin. La sorcière. Si seulement elle était là, je parie qu'elle saurait nous faire passer. Ma magie est impuissante contre le souffle noir et on ne peut pas le contourner. Elle est là. Odin s'en est assuré il y a longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'étais occupé à sauver mon ami. Tu te souviens? Le souffle noir est un puissant détournement de magie contre lequel je ne peux rien. Seule la lumière d'Alfheim est assez puissante pour le repousser. Mais la route est longue. Que signifie ce voyage à tes yeux? Absolument tout. Suivez-moi. Pourquoi vous aider? Peut-être que je me retrouve en toi plus que je ne voudrais le reconnaître. Peut-être. Peut-être qu'en t'aidant, j'espère me racheter de mes erreurs. Ou peut-être que je vous aime bien. Même si on a blessé votre ami? Même si vous avez blessé mon ami. Où devons-nous aller? Dans un royaume, bien loin du tien. Ouais. Attends, d'abord. On va dans un autre royaume? Vous venez avec nous? Seulement pour un temps. Juste pour un temps. On est à 3 maintenant, yeah. Ah, dis-moi que tu peux brûler les racines. Et dis-moi que tu vas me donner le pouvoir de le faire aussi. On va se servir de ça. Greitha. Tu peux pas. Sindri a dit qu'il était cassé. Sindri? Le nain au pied de cette montagne. Il le réparait quand on est arrivé. Je n'ai vu personne quand je suis passé. Il avait peut-être fini. Les nains sont pleins de ressources. Et agaçants, en jugé par les deux qu'on a rencontrés. C'est vrai. Ils vont finir ensemble. Tourne ce levier. Oh, donne pas des ordres au dieu de la guerre. Tu vas te calmer direct. Le temple de Tyr est au centre du lac. C'est là que se situe le passage vers Alfheim.
Espérons juste qu'il ne soit plus sous l'eau. Que fait cette créature dans le lac? Nul ne le sait. Il est apparu un beau jour. Peu après, Thor l'a attaqué et leur combat a fait trembler tous les royaumes. Aucun des deux n'en est sorti vainqueur. Et Thor est reparti voir Odin les mains vides. Le serpent est resté et il a grandi au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Vous croyez au Ragnarok? La fin des temps. Que ce ne soit pas le cas. Le Ragnarok, c'est la fin des temps dans la... On a parlé au Serpent Monde. Vraiment? Une exagération. Je suis doué pour les langues. Même celles que j'ai jamais entendues. Mais quand il parle, je comprends pas un mot. Personne ne le comprend, hélas. Il parle une langue morte. Tant je sais plus quelle mythologie. Ouais. Il doit se sentir seul. Bon, on va où, là? Là? Regardez où vous marchez. Par ici. Vous êtes sûr? On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Vous voyez? Tu en es certain? Je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu regardes bien? Ah, elle peut... Léost, hein? Ah, il est solide. Elle peut faire ça. C'est de l'architecture elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez, il va pas disparaître? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Par ici. J'en veux une. Ah. Ces racines, de quelle magie s'agit-il? Celle d'Evan. De Vanaheim? Tu les connais? Seulement quelques histoires. Maman m'a pas dit grand-chose sur les dieux Van, à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle. Peut-être contre le gosse. Les J'imagine que, comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. Il n'y a pas de dieu bon, Atreus. Je te l'ai déjà dit. Ah, peut-être le gosse, il va avoir l'arc magique. Bah attends, du coup, on est déjà allé là. Ouais. Bah on est de retour ici. Le temple de Tyr. Le grand Tyr l'a construit avec des géants. Et grâce à lui, il parcourait les neuf royaumes. Qu'est-ce qu'il pour fait maintenir la paix. Ils m'ont pas l'air très paisibles. Qu'est-ce qu'il fait, genre Mingorn? Pourquoi? Surtout par des morts. Il est éveillé. Les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts de gens. Aujourd'hui, ils ont fui ou ils se cachent. Seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde. Pillard, si ça je parviens à nous geler, mieux de rester à la défensive, c'est ce que les fesses estompent, les ennemis ont peur, deviennent particulièrement agressifs si leur cible est gelée. C'est ceux-là qui balancent des boules Tournez de neige. Tournez à droite au bas de ces marches. Tournez à droite. Ah oui, 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 il y a des cristaux bleus aussi, je me rappelle, mais il y a de l'eau. On pouvait pas les franchir. Tiens, encore un cristal lumineux. Attendez là! Je vais ranimer la lumière. Léost. Ça a marché. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On va réparer le mécanisme. Commence par soulever cet essieu. Oui, madame. Bien. Maintenant, remets-le en place. Putain, la force qu'il a. Maintenant... Aligne la roue sur le rail. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail. Oh la vache. Tu fais tourner tout le pont? Comment est-ce que tout le pont peut bouger? Oh, t'es vraiment très fort. Pousse jusqu'à ce que le pont revienne dans sa position initiale. Tu fatigues? Non. Il a toujours été très fort. À propos de ces morts, on a entendu quelqu'un les appeler des Éléans. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de pauvres âmes tourmentées, qui ont été privées de jugement et de paix.
par qui? Est-ce que la magie des vannes peut ressusciter les morts? Elle le pouvait autrefois. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. C'est tout ce que je sais. C'est parfait. Remontez. C'est prêt. Cool. C'était très impressionnant. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère. Mon dos va très bien. À travers ces portes. Attendez, ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr? Toutes les races ont aidé à sa construction. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon. Il est magnifique le jeu en tout cas. Ah, je suis complètement d'accord. C'est une super aventure qu'on est en train de vivre en fait. Et ça, ça se perd en fait dans les jeux vidéo, je trouve. Genre, juste une aventure seule, solo, mais intéressante du début à la fin. Lios, la corde de votre arc ne brille plus. Son pouvoir s'est épuisé. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées. Passe-moi ton arc. Yes! Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. N'oublie pas. Yeah. Je parlais comme si vous veniez pas avec nous. Je vais essayer. Mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Pourquoi? Les dieux ne m'apprécient guère. Cool. On a les nouveaux pouvoirs. Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à vie. Le Bifrost, c'est pas le portail. Pas quoi. Salle de passage entrée des royaumes. Entre les royaumes, pardon. Votre magie produit pas ce genre de racines. Elles sont différentes. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles permettent de voyager entre les royaumes. Comment ça fonctionne? Tu auras besoin de ça, un Bifrost, pour passer entre les royaumes. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Et maintenant? Sois patient. Le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes, ainsi que les tours des royaumes qui encerclent le lac des Neufs, dehors. Tous les royaumes existent dans le même espace physique, et sont le reflet les uns des autres. Ces portes, les tours là dehors, et les neuf royaumes sont tous entrelacés et coexistent sur les branches de l'arbre monde. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. Alors c'est ça l'arbre monde? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre monde est lié au destin du monde, tout comme nous le sommes. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, l'arbre soutient toute la création le long de ses branches. Son énergie vitale se fond dans la tapisserie de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Tous ces fils transcendent le temps et transcendent l'espace. Et tout revient à l'arbre. Voilà. Cela fonctionne ainsi. Mais j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. Oui. Très bien. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination.
Alfheim. Oh, est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps? Oui. La roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes sur le lac, dehors. Mais ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, la séquence ne peut commencer. Chaque royaume dispose d'une rune qui débloque le pont y menant. Je te donne celle d'Alfheim. Tu peux choisir ta destination maintenant. Ça me rappelle Soul River un peu le système. Cool. Nous sommes prêts. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Maintenant, le pont de passage va s'aligner et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. Sympa. Sympa. On a plein de royaumes en fait. Vous voyez ce cristal géant? Chaque royaume possède le sien. Il concentre et amplifie le pouvoir de Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac? La tour de Jotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de 100 hivers, quand les géants ont quitté Midgard. Personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. Quoi ça? Suivez-moi. Le Bifrost est noir. C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière d'Alfheim. Alors nous sommes coincés. Quelqu'un avec tes ressources n'aura aucune difficulté à revenir à Midgard. Et on pourra repousser le souffle noir? Une fois que vous aurez la lumière d'Alfheim, oui. Donc en gros... C'est tout bête, le système, c'est bien. Moi j'aime bien. On va dans les royaumes, on récupère des nouveaux pouvoirs, et on continue. Au fur et à mesure, je pense. Ça, sympa, j'aime bien. Oh, waouh, ok. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais au pont, normal. Bienvenue à Alfheim, messieurs. Vous pourrez apercevoir la lumière. Je la distingue à peine. Ce n'est pas normal. Tu vois cette colonne de lumière au loin? Elle est située dans un temple en forme d'anneau. Ce qu'on cherchait là-bas. Non. Non, 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 c'est pas vrai, pas déjà. Que se passe-t-il? Pour rétablir la magie du Bifrost, tu dois entrer dans la lumière. Mais prends garde à ne pas te faire piéger. Bon, elle, elle est obligée. Obligé de rester. Elle est pas morte, à vrai. Il y a peu de chance. Bien. Elle est obligée de rester à Midgard. Elle. Ok, cool. Pont. Cet endroit est incroyable. Tire. Reste à côté de moi et ne touche à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Testons. Je crois que tu l'as tué. Ok, cool. Waouh, c'est classe. c'est magnifique, j'adore. Ça ne nous regarde pas, Atreus. Concentre-toi. Ok. Hey, gamin. Viens voir ici. Qu'est-ce que ça dit? Ça parle d'une guerre éternelle pour la lumière. Je comprends pas, s'ils en ont tous besoin, pourquoi ils la partagent pas? Par
cupidité, tu apprendras vite qu'elle est à l'origine de bien des guerres. Ah, coffre. J'avais même pas vu le coffre. Bon, par contre, j'aurais bien voulu en augmenter, enfin voir si je pouvais augmenter des armes et tout ça. Là. Bon, pas grave. On continue notre exploration. Il continue de tuer les elfes blancs. Ça reste une guerre, même si elle est sur la fin. Les dépossédés ont perdu. Oh. Elfe noir ! Ok. Alors je sais pas du tout comment on les combat. Ok, attends. Ah merde, non. Ok, on peut pas vraiment les envoyer en l'air, eux. Qu'est-ce qu'il est où? Oh, ça va mal finir. Oh, énorme. C'est top. Pourquoi est-ce qu'il nous attaque? On leur a rien fait. Il en viendra d'autres. C'est top. Ah, ils sont pas... Bon, ils ont pas l'air super dur. Ils voient, ils sont intelligents. Après, on peut pas vraiment les envoyer en l'air et les enchaîner en l'air. Mais ils ont pas l'air... extrêmement agressifs, ça va. Cette matière au juste. Alors, tu veux les détruire les deux en même temps? Oui. Tu m'as parlé? Non. Oh, d'accord. Au moins on se rapproche de la lumière. Allez, quelque chose de bien. Symbole de persévérance. Eh, mais c'est Sindri. Ah, c'est... Yes. Ah, mignon. Je me demande si on peut aller sur l'eau. Parce que c'est un nouveau monde. C'est un nouveau royaume, en fait. Elfheim. Donc, peut-être là. Peut-être au bord aussi. Il y a peut-être plein de trucs à visiter, maintenant. Il y a inexploré. On est à 8%. Donc, on va devoir faire un tour avec le bateau, encore. Oh, putain. On va jamais finir. On va jamais finir avec ce jeu. Je ne laisserai pas mon frère y toucher. Mais s'il le fait, dis-lui de recuire l'acier plus longtemps. Sinon, il abîmera mon travail. Un enchantement qui améliore des stats aléatoires. Ça peut être drôle. Alors, bah, je vais faire une petite pause et après on continue à... Bien. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire ?
Après, on continue